Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment régler le problème si votre téléphone ne détecte pas votre carte SIM ou bien vous aurez le message de carte SIM invalide ou erreur de carte SIM. Donc tout ça, il sera réglé avec cette astuce. Donc la première des choses que vous devez faire, c'est de retirer votre carte SIM. Donc voilà, une fois que j'ai retiré la carte SIM, vous allez ensuite dans les paramètres. Vous allez cliquer sur les paramètres, vous choisissez gestion d'application et ensuite vous cliquez sur liste des applications. Là, ce que vous allez faire, vous cliquez sur les trois points au-dessus de votre portable et vous cliquez sur afficher les autres applications cachées. Ensuite, vous allez écrire ici SIM. Voilà, vous écrivez SIM. Voilà, comme vous voyez ici, pour moi, j'ai appli de la carte SIM. Donc, pour vous, ça dépend. Vous aurez application de la carte SIM, outil carte SIM. Ça dépend du nom. De toute façon, c'est l'application qui contrôle votre carte SIM. Vous cliquez sur l'application. Ensuite, vous cliquez sur utilisation du stockage. Là, vous cliquez sur vider le cachet. Et ensuite, effacer les données de l'application. Voilà, une fois que vous avez vidé le cachet et effacé les données, il y a certains portables, pour moi, je n'ai pas besoin de donner des autorisations, mais il y a des portables, vous devez cliquer sur autorisation et donner toutes les autorisations pour la carte SIM, pour qu'elle fonctionne. Donc après avoir fait tout ça, vous remettez la carte SIM. Et voilà, une fois que vous avez remetté votre carte SIM, elle sera affichée. Si elle ne s'affiche pas, vous devez l'essayer dans un autre portable parce que voilà, donc pour voir si le problème n'est pas dans la carte SIM, si elle est cassée ou il y a d'autres problèmes. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.